Ah, c'est pas il déjà, c'est elle. Ouais, bah écoute, est-ce que moi j'ai la tête à lire des mecs qui sont pas morts il y a 150 ans, tu sais, moi je me respecte. Hein. Voilà, moi j'attends, comme Schopenhauer, que le temps fasse son affaire. Hein, voilà, qui supprime les médiocres. Voilà, donc toi peut-être que tu lis ce genre de tocard, mais c'est pas mon cas. Et c'est bien beau de parler de TFAQ, mais parlons-en un peu de TFAQ. Là, en fait, je vais être obligé de faire un coup bas, mais en fait, tout le monde s'en branle de TFAQ. C'est-à-dire que là, TFAQ, là, tu parles de moi. Hein, donc normalement, tu clashes quelqu'un et tout, ça fait plein de vues, les gens, ils se précipitent pour voir ça. Ça fait combien de vues? Déjà, combien t'as d'abonnés? T'as plus de 700 000 abonnés. Ça fait à peu près 10 fois moins de vues que t'as d'abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'appelle ça un bide. D'accord? Pour moi, une vidéo réussit à peu près lorsque t'arrives à peu près à atteindre ton nombre d'abonnés. On va dire à 20% près. C'est-à-dire que ta FAQ, en fait, tout le monde s'en branle totalement. Même lorsque tu clashes, même lorsque t'es putassier, tout le monde s'en fout de ce que tu racontes dans tes FAQ. Donc ne va pas dire, oui, j'ai dit ça dans une FAQ. Ok, on s'en fout, en fait, parce que personne l'a vu. D'accord? Ça n'a même pas touché 10% de tes abonnés. Mec, mais tu te fous de la gueule de qui, en fait? De qui tu te fous de la gueule? Mais toi, voilà, tu coupes et tu fais des montages malhonnêtes, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Toi, t'es pur, hein, toi, tu es pur. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.